Et bien maintenant que nous voici sur l'autre versant, du bon côté cette fois des choses, vous comprendrez, je suis sûr, tout ce que cela représente pour moi et pour tous nos auditeurs, qu'aujourd'hui précisément je sois à nouveau devant vous et que vous puissiez nous parler à nouveau devant un micro français libre. Je me souviens en effet avec émotion de votre dernière visite au jour sombre de juin 40, peu de jours avant l'entrée des Allemands à Paris. L'an dernier encore, l'autre rive du lac Léman, celle qui est en face de moi à une dizaine de kilomètres, était une rive allemande. Une belle après-midi d'été, on a vu monter là-bas une grosse fumée blanche. C'était Saint-Gingolf, un joli village de pêcheurs au bord du Lot, qui brûlait. La guerre allait finir, les Allemands se vengeaient. Quelques jours plus tard, nous étions libres. Nous nous sommes mis à respirer, nous avons bu une bonne tasse d'air. Les Allemands n'étaient plus là. Croyez-vous que nous ayons oublié à qui nous le devons? C'est pourquoi aujourd'hui, devant ces belles grandes montagnes bleues redevenues françaises, vous me permettrez bien de vous envoyer tous mes remerciements et mon amitié. Et mon espoir aussi en un avenir meilleur pour l'Europe, malgré l'énorme confusion où nous en plongez ces 6 années de misère. Ce que je sens vivement, et ce que je veux dire, c'est que le monde ne se fera pas sans la France. On aura trop besoin demain de ces richesses profondes, exprimées par ses peintres, ses musiciens, ses poètes, de son rayonnement à la fois physique et spirituel, qui nous a si longtemps et si durement manqué.